Pourquoi tu les invites là demain? Faut que ce soit aujourd'hui. Bien sûr. Elle en a occupé le soir. Et pas ce soir? Ben non, pas ce soir. Ces derniers temps, le moins de petits trucs à ton boulot plus important que tout le reste. Il y a un moment pour tout. Mais cette série de merde a la priorité. Bonsoir. Enchantée. Appelez-moi Véro, je préfère. Excusez-moi vraiment d'être en retard. J'ai horreur d'être en retard. J'aime pas du tout qu'on soit avec moi, mais Benoît devait passer me prendre et... Mais je vais peut-être l'appeler. Il devrait pas tarder. Une bière? Du vin? De l'eau? C'est quoi ça? Je pensais inviter Richard et Manu. Non. Mais ça m'a paru trop tôt. Oui. Il est encore trop tôt, ça serait contre-productif. Une raclette? Ondine? Merci pour l'effort, vraiment, mais là... La psychologue a dit qu'il fallait avancer petit à petit. Qu'elle aille se faire foutre, la psychologue. Je te sers dans ce verre, au cas où après tu changes d'avis pour le vin. Vous l'avez fait analyser? Bah, non. Ah, non merci alors. Moi j'achète l'eau par bidon de 50 litres à des collègues, et elle vient d'une source qui n'a pas de résidus secs. Elle est plus pure. J'ai décidé de ne plus chercher de boulot comme journaliste. J'ai proposé mes services comme jardinier. Le personnage de Mathéo, c'est un petit bijou. Vous avez lu les extraits de la série que je vous ai envoyé? Oui, oui. Lui aussi? Ah oui, oui, il aime bien. C'est quoi le problème alors? Un repas social. Ça rassemble les êtres humains. Tais-toi. Ne stresse pas, Véro. La série va marcher. Ça va être un succès. C'est chiant. Dis pas ça. L'idéal serait de le faire sur une pierre, comme autant des... Tais-toi, Jérôme, s'il te plaît. Et toi, tu pourrais pas te taire et arrêter de faire l'imbécile? J'ai plus faim. C'est bon! Ah! S'il parle pas, moi j'explose. Véro. Excuse-moi d'insister, mais il me faut une réponse. Et s'il est positif, c'est encore mieux. Je t'ai menti. Je suis pas arrivée en retard à cause d'un euro en temps. Avant de te répondre, il faut que je te dise quelque chose.